faisait pas les cons. Dimanche, il vous faudra, dans l'isoloir, prendre une décision importante, importante pour votre avenir, importante pour l'avenir de vos enfants. Alors, quand je vois le box-office des films français, avec toutes ces navritudes qui font des millions d'entrées, quand je vois la musique que vous écoutez, que vous streamez, que vous téléchargez, que vous regardez sur YouTube, je me pose des questions. C'est pourquoi ce matin, j'ai décidé de remettre mon clip de une chanson ennuyeuse, extraite de mon album « Comment éclairer votre intérieur ». Cette chanson, c'est le reflet de l'esprit frondeur, de l'esprit sarcastique, de l'esprit révolté qui m'habite. Et dimanche, avant de glisser votre bulletin dans l'urne, repensez à cette chanson. Car, comme le disait Henri Janson, nous n'avons qu'une liberté, c'est la liberté de nous battre pour conquérir la liberté. Bon, je comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais je pense que c'est bien. Ouais, ça a l'air vraiment super, hein. Bon. Et par contre, excuse-moi, Harmon, t'as la cravate de travers, là. Pas l'enregistrement, mais enfin, c'est bien de... Bon, on va envoyer la sauce, là. T'es prêt, c'est bon? Allez, on y va. C'est une chanson ennuyeuse. Il s'y passe strictement rien. Ça fait des jours que je me creuse, mais tous mes efforts restent vains. La mélodie n'a qu'une note, le rythme en est primitif. Ça a un peu un goût de flotte à l'heure de l'apéritif. La la la, c'est le refrain. La la. Peut-être si on monte le tempo, ce serait un peu plus rigolo. Allez, allez, on monte le tempo. Ouais, bon. Et si on le fait un peu plus lent? Non, je crois que c'est encore plus chiant, que c'est chiant. Super. Ah, vraiment super, super, super. Par contre, je me disais juste un truc, parce que ça, c'est un peu une parodie d'un morceau ennuyant, quoi. Alors, bah, oui, mais justement, est-ce que la parodie va pas être aussi ennuyante qu'un vrai morceau ennuyant, c'est... Mais non, mais justement, c'est une mise en abîme. D'accord. Et ça continue. Et ça et l'apanage de nos artistes. Alors je trouve ça normal que de rester conformiste. La la la, c'est le refrain. La la la, il est pas bien. Cette chanson est un cauchemar, mais elle colle bien à l'époque. Je serai nominé aux victoires et chroniqué dans les Inrocks.